Nous sommes tous les pharaons. Nous sommes tous les pharaons, moi, au nom de Dieu. Je suis un homme qui a été nommé. Je suis un homme qui a été nommé. Je suis un homme qui a été Lenki, Nasmire, Nasmire, Timel, Pustro, soit pour les Algériens. Mère Pustro, les Algériens, nous sommes tous les Algériens. Lanti, Bari, Sitomoko, Hanna Bari, Sunawari, Titro, Ali Djamou. Kéra Dali, Namoun, la Québec, Sonic, en Palais, Katogari, Kouan, en Palais, Kéryan, les Sigères, Lenki, Yaboutia, honorable député Ibrahim Baba Sall a été Ibrahim Sall, c'est pas parce que Abdigali Mouniari, c'est pas parce que Alaï Mouniari, c'est parce que Louria a battu le sang, j'ai refait parce que nous avons battu le sang. Avec la cérémonie, il faut qu'on ait un peu de temps, 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 il faut qu'on ait un peu de Angamula n'a pas été trop loin du Congo. Merci, honorable député Ibrahim Baba Sall. Militantes et militants, permettez-moi de saluer la délégation conduite par Madame la Première ministre Mimi Touré, notre maman, notre sœur, la Mimi du développement. Nous saluons toute la délégation en voulant un titre respectif. Militants et militants du Bénévo-Kiaka, au nom de tous les maires du département que je représente ici, micro. Et que je remercie pour leur confiance, je salue votre belle mobilisation. Hein? Madame la Première ministre, le département de Bakel est garanti à 100%. La victoire avec un score à la soviétique est déjà acquise grâce à la millénarité de l'honorable député Ibrahim Baba Sall. Ibrahim Baba Sall a réussi le pari de rassembler tous les leaders de Bénévo-Kiaka dans une seule équipe pour donner une majorité confortable au président Macky Sall. À tous ces leaders qui sont venus derrière moi renforcer les rangs de Bénévo-Kiaka, nous leur souhaitons la bienvenue. Je ne peux ouvrir ce chapitre sans saluer le courage de mon frère Souleymane Dembélé de Diawara, qui est venu nous rejoindre contre vents et marées. Pour l'opposition, le héros est celui qui rejoint ses rangs. Celui qui rejoint le camp du pouvoir est considéré comme l'axe du mal, un traître, alors que le bilan matériel et immatériel de Macky Sall est visible partout. Donner une majorité à Macky Sall, c'est l'aider à continuer les grands chantiers qui feront du Sénégal un pays émergent. Donner une majorité à Macky Sall, c'est continuer la construction d'un état de paix, de stabilité, d'emploi pour les jeunes, d'émancipation pour les femmes. Donner une majorité à Macky Sall, c'est continuer à consolider le leadership du Sénégal
dans le monde afin que les investisseurs étrangers puissent venir investir dans tous les domaines. Donner une majorité à Macky Sall, c'est voter pour la démocratie, l'état de droit, la justice, l'équité dans la distribution des richesses. Quand l'opposition essaie de vous convaincre en s'attaquant à la personne de Macky Sall par les discours qui ne tiennent pas la route, jetez sur leur figure les réalisations du président lors des grands chantiers. L'homme des autoroutes, du TER, du BRT, des hôpitaux modernes, des bourses de sécurité familiale, des aéroports et j'en passe. Pourquoi ne pas continuer à soutenir à cause de son bilan élogieux? D'aucun président n'a réussi la moitié depuis l'indépendance. Cependant, malgré tous les acquis, le département est frontalier avec le Mali et la Mauritanie. Et les enjeux sont énormes. Le désengagement, Madame le Premier ministre, certains militants ont quitté hier pour venir assister à ce meeting. Les militants qui ont quitté hier pour venir ici, généralement viennent de l'arrondissement de Kayaba. Nous demandons le désengagement total de cet arrondissement. Ceci est valable aussi pour les arrondissements de Bélé et Moubéli, notamment la promesse faite par le chef de l'État dans ce même stade en 2019 pour le bitumage des axes Bal, Bakel, Bakel, Gané. Ces enjeux sont aussi la sécurité, l'accès à l'eau en quantité et en qualité, l'accès à l'université. Nous demandons l'érection du centre de santé de Bakel à l'hôpital de niveau 2 et la construction d'un centre de santé à Djawa et dans les arrondissements de Bélé et Kayaba. Nous demandons des forces de population pour saluer cette unité réussie par l'honorable député Ibrahim Barossal parce que c'est à juste titre. Au nom de tous les maires du département et au nom du corps d'appel, nous disons que la victoire est déjà acquise. Je vous remercie. Vive le Qatar, vive la vie. Merci. Le président du conseil départemental, monsieur Mapate, si. Je vais me dire,